Départ de Creta aujourd'hui, un tout petit peu en dessous de Cogne. Le but est d'aller chercher le matos qu'on a laissé hier sur le glacier. Ah, ça galope, ça galope! Et voilà, on monte au bivouac Graton, premier objectif, puis après au sommet. Autoroute. Regardez comme c'est balisé. Voilà la Grivola et le bivouac Graton. Après une petite pause pique-nique au bivouac, on est reparti vers le sommet. Ça va bien Bastien? Ouais, ça va bien du coup là. Et donc on va au sommet là, Punta Rossa des... comment ça s'appelle déjà? Voilà. Grivola. Et bien nous voici sur l'arête à 3480. Il reste une grosse centaine de mètres d'arête. Sommet en vue. Et ben voilà. Arrivé à la Punta Rossa della Grivola. Voilà, hier on était là-haut. Bravo Bastien. Sommet de la Punta Rossa. Bastien commence à trouver cette montée. Il n'a pas trouvé la montée Bastien. C'était une bonne montée. Ouais. Roulante. Et ben très bien. Pour une fois. Eh bien nous voilà sur le glacier, sous la Grivola, toujours
Là, on est à la recherche du matos. On vient de descendre ce petit couloir là. C'est pas très raide et en haut, c'est le sommet où on était tout à l'heure. Dans un quart d'heure, on est au matos. Et après, il faut repasser le col là. La journée va être longue. Elle est déjà là. On vient de récupérer le matos laissé hier. On a traversé la zone d'éboulement. Et on repart vers le petit col là-bas. Voilà, on est sous le col. On ne sait pas encore si c'est sud gauche, sud droite, on pense que c'est sud gauche. Tout va bien. Ben voilà, nous avons passé le col et nous sommes redescendus par ce couloir en neige. Et là il en reste quand même pas mal. Parce qu'il faut aller tout là-bas au fond. On voit le refuge, mais il est loin, loin, loin. Le refuge, il est là. On n'est pas rendu. Et bien voilà, on vient du goulet en neige de droite. Et on est content parce que là, les difficultés sont quasiment terminées. On est un poil fatigué parce qu'on va arriver vers 7h30-8h au refuge. Ah, c'est un peu de moraine. Bastien, t'en as plein les bottes ? Non, même pas. Oh, c'est pas drôle. Ça fait 10 heures que je marche et j'en ai même pas plein les bottes. Pourtant c'est joli, hein. On a de la chance. Regardez, il y a des sommets partout. Youhou. On va même le pouvoir pour arroser notre ensemble. Là-bas. Allez, le terminus c'est là, le refuge Victorio c'est là. Un bon repas nous attend. Une nuit réparatrice avant de repartir vers de nouvelles aventures. Voilà, pour terminer, un petit troupeau de bouquetins. Un petit troupeau de bouquetins à l'arrivée au refuge, c'est assez rigolo.